Je ne connais pas du tout le coin. J'ai cru que tu n'arriverais jamais. J'ai un paquet pour vous. Dites, ça a l'air bizarre votre truc. Tu bois à l'aise. La vodka te monte à la tête. Vaut mieux pas chercher à savoir. Nous servons le petit déjeuner jusqu'à 10h, oui. Je suis chasseur de sangliers et justement, on vient de lancer une traque. Kane, comment ça va? Trouve-moi autre chose, j'angoisse ici. Eh merde! Il y a un animal à terre là-bas. J'ai bien cru qu'il était mort. Ça, c'est l'Indien. Il se maquille le visage. Lui, il est tout seul. Nous, on chasse un peu comme les loups. J'étais sûr que vous reviendriez. Avec un animal. Je ne suis pas en retard ce matin. Wouhou! Je t'avais dit d'être discret. C'est la chasse qui vous intéresse ou les conflits? Le quoi? Le médiator. Le chasseur à l'arc. Le petit jeu du chat et de la souris. Et c'est pas moi, c'est maman! Vous acceptez mon aide? Et à quoi ça va vous avancer? Pas à ma place. Tu pourrais, toi, tuer un homme? Hey! Je vous dois la vérité. Il y a une main invisible. Ce jour-là, c'était pas l'accident. Qu'est-ce que tu fais? Je me souviens d'une histoire. Quand j'étais gamin, un gars qui chassait à l'arc dans le Grand Nord canadien, il expliquait que à la chasse, il fallait être sans arrêt aux aguets, avoir les yeux derrière la tête pour être surpris par un ours et devenir à son tour une proie. Moi, à la chasse, j'ai jamais eu ce sentiment qu'il y a une présence derrière moi.